Nickel. Allez, ça tourne, t'es prêt? Allez. Alors, moi je fais le pitch, hein, d'accord. Tu pitches. Moi je viens vous parler d'un film qui est plutôt une histoire vraie, c'est comme on l'a vécu avec Nathanaël, le mec que vous venez de voir, et moi-même ici présent. C'est l'histoire d'un mec, il est à New York, il est au top, enfin il croit qu'il est au top parce qu'il travaille pour une multinationale, et il y a son pote qui vient le voir et qui lui met un petit doute. Lui il travaille pas du tout dans une multinationale, il fait des films sur l'environnement. Il lui donne 2-3 films. J'ai un petit peu de mal à retourner au travail le matin. Donc je pars, je vais voir mon pote, je lui dis bon, super tes films, attends, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et lui, il me dit, bah viens, on fait un film sur les solutions. Donc là, on a commencé en Inde, on tombe sur des activistes gandhiens qui nous donnent quand même leur vision du monde, bien différente de ce que j'avais appris en école de commerce. You cannot have unlimited economic growth in a limited planet. So we have to learn from nature and create a cyclical economy. So we need to reduce our ecological consumption and increase the quality of our life. And we can only do that if human beings come back into deciding what the economy will look like. Là, tous ces activistes, bon, ils nous ont bien reformaté le disque dur, mais on se dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Là, en plus, on a croisé 2-3 yogis, un ministre du Tibet, donc là, on était vraiment en train de se poser des questions. Pleasure, you can get from the market. Happiness, you cannot get from the market. Happiness, you have to be look inside. On est rentré, on avait déjà un début de film, et puis là derrière, on est reparti. On est reparti cette fois réfléchir à cette idée de la nature, de l'unité, de l'âme. Donc on est parti voir les chamans. Si él no tiene identidad cósmica, el ser humano se robotiza, se vuelve un ser mecánico, condicionado totalmente. Il ne va pas tenir beaucoup de temps ici. Ensuite, bon, on s'est dit, bon, les chamans, c'est un petit peu barré, on va aller voir les scientifiques. Et les scientifiques, et les chamans, et les activistes, ils étaient tous un peu d'accord. On a perdu cette idée de l'unité du vivant. La science du 20e siècle a redécouvert ou découvert d'une manière différente ce que le bouddhisme nous a appris depuis 2500 ans. C'est-à-dire les concepts d'abord d'interdépendance. Toutes les choses sont reliées ensemble. The beliefs that we have been living by in a civilization have been changed in regard to science's understanding of the world in the last few years. And the fact is, if you change your beliefs, you manifest a different world. We must get closer to the essence of life. But be aware that it takes courage and survive. Spend your mind on let it wear and die. Le bien suprême dont on a besoin, c'est quoi? C'est la joie. Et la joie qui est un bien suprême ne s'achète pas. Il y a quelque chose, il y a un bon film qui, je pense, peut parler à un public assez large et amène un vrai débat sur l'écologie, sur la politique, sur l'économie. En fait, est-ce qu'on doit détruire la planète pour être heureux? Voilà, donc c'est ça l'idée du film. On va voir les chaînes de télé et les chaînes de télé nous disent super, c'est frais, c'est nouveau, ça, on aime beaucoup, mais t'as pas la case. Nous, on a plus de sous, hein. on a tout mis dans le film, mais une fois que le film, le bébé, il est sorti, il faut l'habiller, il faut le sortir, il faut le montrer. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'argent, pour vraiment lui faire une petite coupe. Tiens, regarde. Hop là. Tu peux mettre le chat sur la vidéo ou pas? Ça fait des vues en plus, ça. Non? Regarde, on touche plus. Si les gens pensent que c'est un film sur les chats, peut-être que...